J'ai eu la chance de rencontrer Sébastien en assistant à une réunion du BNI, donc un réseau professionnel. Alors Sébastien, il travaille avec nous depuis début septembre 2020. Et il nous accompagne dans la restructuration de notre entreprise. On est une conciergerie, on facture des heures de ménage. C'est difficile de faire de la marge sur les heures de ménage. En fait, Sébastien, il nous aide à mettre le doigt sur les choses qu'on a du mal à déterminer quand on est vraiment dans le feu de l'action. En l'occurrence, il nous a beaucoup aidé pour la restructuration de nos tarifs et la restructuration de nos offres. Le nombre de clients augmente et la marge diminue, c'était pas cohérent, ça fonctionnait pas. Et j'ai eu besoin de Sébastien pour comprendre tout ça, parce que c'est lui qui m'a aidé à comprendre ça. On a tout remis à plat. Très concrètement, donc j'ai signé avec Sébastien pour un an. Un an d'accompagnement sur notre problématique de départ. Mais bien évidemment, le but, c'est de voir à plus long terme. Il est très présent, on peut compter sur lui n'importe quand, parce qu'en dehors de ces rendez-vous mensuels que l'on a, si on a besoin de lui, à n'importe quel moment, il est présent. On travaille vraiment main dans la main, il nous accompagne. Et je suis rassurée qu'il soit là, quelque part. Et régulièrement, j'ai besoin de lui poser des questions sur des sujets périphériques. Il a une approche très humaine. Il a cette qualité d'avoir la capacité de se mettre du côté de l'employeur comme des employés. C'est un passionné de l'entreprise et ça se ressent dans son approche et dans sa démarche. Si vous avez une entreprise qui est dans une période compliquée ou avec un virage assez compliqué à prendre, je pense que d'être accompagné par Sébastien, c'est la meilleure idée. Et vraiment, Sébastien a un œil, une vision globale de l'entreprise par son expérience. Qui a une valeur énorme pour moi.